Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour ce chapitre consacré aux applications affines, c'est-à-dire au pendant des applications linéaires pour les espaces vectoriels. J'ai donc deux espaces affines à A', dont je note ainsi les directions. Considérons deux points, un point A qui appartient à grand A, un point A' dans A' et une application linéaire de A vers A'. Voilà, la direction de A, la direction de A'. Et je considère l'application de A vers A', parce que j'ai bien un point ici qui est dans A', qui à M fait correspondre le point A' plus phi de M. On est bien dans A', parce que phi, ça va de la direction de A vers la direction de A', donc là, je suis le résultat, c'est dans la direction de A', et A' est un point de A', donc je suis bien dans A'. Alors, A' f de m est égal à phi de am. Ah oui, A' f de m est égal à phi de am. Si p appartient, est un autre point, ben j'ai la même chose. A' f de p égale phi de ap. Et donc, en appliquant châle, j'ai tout de suite f de m, f de p qui est égal à phi de ap moins phi de am. Et comme phi est linéaire, ça fait phi de am moins ap. Et donc, ça fait phi de mp. D'accord? Je tiens donc ça. Bien, c'est cette relation qui va nous permettre de définir ce qu'est une application affine. On dit que f de a vers a' est affine s'il existe une application linéaire phi de la direction de a vers la direction de a', vérifiant f de m, f de p est égal à phi de mp, quel que soit m et p, deux points quelconques de a. Alors, quel que soit le vecteur u appartenant à la direction de a, je vais avoir phi de u est égal à f de a, f de a plus u, bah, il suffit de remplacer dans cette relation m par a et puis p par a plus u. D'accord? Et donc a, f de a plus u, et puis ici ça fait u. Donc je vais obtenir ça. Et bien, ça m'assure l'unicité de phi, puisque là il n'y a pas de phi, il n'y a rien, vous voyez, j'ai l'unicité. Donc je la note, cette partie. Phi, je l'appelle la partie linéaire de f, et je la note f flèche. Propriété, si f de a vers a' est affine, alors ça équivaut à dire, non, si f est une application de a vers a', elle est affine si et seulement s'il existe a, un point de a, et phi, une application linéaire de la direction de a vers la direction de a', vérifiant f de m égale f de a plus phi de m, quel que soit m appartenant à a. Démonstration. Bon, ben, si f est affine, on a ça. Et donc ça se traduit comme ça. Donc ça y est, c'est gagné. La réciproque. Ben, si on a ça, c'était l'exemple, c'était l'intro qu'on avait fait là. À ce moment-là, on avait démontré que f de m, f de p, vecteur f de m, f de p, est toujours égal à phi de mp. Donc, elle est affine. Donc c'est gagné. Propriété suivante, phi étant une application linéaire de A vers de direction de A vers direction de A', A un point de A, A' un point de A'. Alors il existe une unique fonction affine, application affine de A vers A', vérifiant direction de F, j'appelle F, est égal à phi et F de A égale A'. Démonstration, si F existe, bah, toujours pareil, hein, c'est toujours la même chose qu'on dit. Hein. F de M doit être égal à F de A plus phi de AM, et donc ça nous fera A' plus phi de AM. Bon, ben, ça assure l'unicité de F. Alors maintenant, F défini comme ça, ben, retour à l'intro, et je sais que F est affine. Donc c'est terminé. Bon, ben, de ce résultat-là, il découle la chose suivante, c'est qu'une application affine de A vers A' est parfaitement définie de façon unique, quand on se donne un point et son image et une partie linéaire, hein, c'est-à-dire une application linéaire. Elle est parfaitement définie par l'image d'un point et sa partie linéaire. Donc, ce qui signifie que si f et g sont affines, eh bien, et si la direction de f est égale à la direction de g et qu'il existe un point A tel que f de A est égal à g de A, eh bien, je suis sûr que f est égal à g. En fait, c'est évident, parce que si j'appelle phi ce truc-là, je vais avoir f de m
égale a prime plus phi de am, puis j'aurai g de m égale a prime plus phi de am aussi. Donc j'ai f de m qui est égal à g de m, quel que soit m, et c'est gagné. Propriété. Si f est une application affine de l'espace affine grand A vers l'espace affine a prime, alors f est injective si et seulement si sa partie linéaire est injective. Elle est surjective si et seulement si sa partie linéaire est surjective. Elle est bijective si et seulement si sa partie linéaire est bijective. Si A est de dimension finie et que F est affine de A vers A, alors F bijective équivaut à F surjective équivaut à F bijective. Démonstration, j'appelle phi la partie linéaire de F. Je prends un point A de l'espace affine grand A, vecteur U qui appartient à la direction de grand A. Phi de U va être égal à f de a plus u, hein, puisque bon, c'est une relation qu'on a déjà vue, ça. Hein. Donc phi de u est égal à 0, ça équivaut à dire que f de a plus u est égal à vecteur nul, donc que f de a plus u est égal à f de a. Si je suppose f injective, je vais pouvoir dire que a plus u est égal à a, et donc que u est égal à 0. Donc, à ce moment-là, phi de u égale 0 implique u égale 0 et phi est injective. Réciproque, supposons phi injective. Donc, je prends deux points quelconques à m et p, f de m, fp, f de p est égal à phi de mp. Et donc, j'ai f de m qui est égal à f de p, si et seulement si phi de mp est égal à 0, et comme phi est injective, ça implique que mp est égal à 0, et donc que m égale p, et donc f est injective. Supposons que f soit surjective, donc toujours a appartenant à a, je prends u' appartenant à l'espace, à la direction de a'. Bon, ben, il existe m' tel que u' soit égal à f de m', ça c'est la propriété des espaces affines, en l'occurrence de l'espace affine a'. Alors, comme f est surjective, ce vecteur-là, c'est un phi de quelque chose. Donc, le u' va être un... f est surjectif, pardon. F est surjectif, donc m' est égal à f de m. Donc, u' va être égal à f de a, f de m. Bon, mais ça, ça fait phi de am, parce que f est une application linéaire. Donc, u' est égal à phi de am. Donc, phi est surjectif. Inversement, supposons phi surjectif. Prenons m' appartenant à a'. Il existe un vecteur u de a tel que f de a m' soit égal à phi de u. Ça, ça vient du fait que phi est surjective. Ça, j'ai un vecteur de a' ici. Donc, c'est un phi de quelque chose. Je prends m égale a plus u. Donc, f de a, vecteur f de a, f de m va être égal à phi de am. D'accord? Et phi de am, am il est égal à u, donc égal phi de u. Donc j'ai f de a, vecteur f de a m' qui est égal à vecteur f de a, f de m. Donc f de m égale m' et f est surjective. Bon, tout le reste est évident parce que dire que f est bijectif, ça équivaut à dire que f est injective et surjective. Et donc ça équivaut à dire que sa partie linéaire est injective et surjective, donc bijective. Et puis, en dimension finie, bah, on sait qu'une application linéaire est bijective si et seulement si elle est injective, si et seulement si elle est surjective. Donc, on a le résultat. Propriété suivante, c'est la composition. On a trois espaces affines, deux applications affines, une de A1 vers A2, l'autre de A2 vers A3. Alors, Giron F est affine et sa partie linéaire s'obtient en composant les parties linéaires. Facile à démontrer, ça, je prends deux points M et P de A1 et je dis que vecteur Giron F de M, Giron F de P, ça va être vecteur G de F de M, G de F de P. Et là, j'utilise le fait que G est affine. Donc, ça fait partie linéaire de G appliquée en le vecteur F de M, F de P. Ce vecteur f de n, f de p, là j'utilise le fait que f est affine, c'est la partie linéaire de f appliquée au vecteur mp. Et donc j'obtiens g rond f de mp.
Hein, que, donc je tiens que ça est égal à ça, et donc ça implique bien que g rond f est affine, et que sa partie linéaire est partie linéaire de g rond partie linéaire de f. Enfin, dernière propriété, inverser une fonction affine bijective, donc j'ai f affine de a vers a', et je sais qu'elle est bijective si et seulement si sa partie linéaire est bijective. Donc je la suppose, donc je me place dans ce cas, c'est-à-dire f bijective. Dans ce cas, on montre que f moins 1 est affine et sa partie linéaire s'obtient en prenant la réciproque de la partie linéaire de f. En effet, si je prends deux points a', b' appartenant à a', et je considère a égale f moins 1 de a', b égale f moins 1 de b', autrement dit j'ai f de a égale a', f de b égale b', vecteur a', b' va être égal vecteur f de a, f de b égale phi de ab, ça c'est parce que f est une application affine, mais là je sais que phi, alors phi c'est, j'ai appelé phi la partie linéaire de f, hein. Ma phi, je sais qu'elle est, phi, c'est celle-là, je sais qu'elle est bijective, donc je peux inverser. Donc dire ça, ça équivaut à dire que vecteur AB est égal à phi moins 1 de A' B'. Hein. D'accord ? Donc je vais avoir A, ben c'est f moins 1 de A', f moins 1 de B', donc vecteur f moins 1 de A', vecteur, f moins 1 de B', est égal à phi moins 1 du vecteur A' B', phi moins 1 du vecteur, pardon, A' B', et ça, ça me dit, puisque phi moins 1 est une application linéaire, ben ça me dit bien que f moins 1 est une application affine dont la partie linéaire est phi moins 1. D'accord ? Et puis, voilà. Et donc, ça me démontre la propriété. Ça me démontre qu'elle est affine. D'accord ? Bon, moi, je savais de toute façon qu'elle était bijective. Et que sa partie linéaire est égale donc à la réciproque de la partie linéaire de f. Propriété. Soit f une application affine de l'espace affine grand A vers l'espace affine A'. H un sous-espace affine de grand A. Alors, f de H est un sous-espace affine de A' dont la direction est l'image de la direction de H par la partie linéaire de f. J'appelle phi cette partie linéaire. Je prends un point A appartenant à H. A' son image par f, donc il appartient à H' égale f de H, et f de H, c'est l'image, c'est l'ensemble des f de m, m appartenant à H. Donc, c'est l'ensemble des f de A plus phi de AM, hein, parce que f de m peut s'écrire f de A plus phi de AM, m appartenant à H. Donc, f de H, je vois que c'est l'ensemble des A' plus phi de U, U appartenant à H, à la direction de H, parce que la direction de H, c'est justement l'ensemble des vecteurs AM, M appartenant à H. Donc j'ai bien F de H qui est défini par le point A' et par sa direction qui est phi de H. C'est donc un sous-espace affine de A'. Si F est une application affine de A vers A' et H' un sous-espace affine de A', alors f moins 1 de H' est égal à vide, ou bien c'est un sous-espace affine de A de direction E égale donc l'image réciproque de la direction de H' par la partie linéaire de F. Démonstration, partie linéaire, donc je l'appelle phi. Si H est qui est f moins 1 de h' est différent de vide, je peux trouver a appartenant à h, donc a' appartient à h', égale a' et c'est f de a, et h c'est l'ensemble des m tel que f de m appartient à h', donc c'est l'ensemble des m tel que f de a plus phi de am appartient à h', c'est-à-dire l'ensemble des m tel que a' plus phi de am appartient à h'. Donc c'est l'ensemble des m appartenant à a,
dire que A' plus phi de m appartient à H', ça équivaut à dire que phi de m appartient à la direction de H', parce que A', lui, il appartient déjà à H'. Donc c'est l'ensemble des points m tels que ça, et donc c'est l'ensemble des points m tels que AM appartient à phi moins 1 de H', et donc ça veut bien dire que c'est le sous-espace affine défini par le point A et par E égale f moins 1 de la direction de H'. Propriété, si H1, H2 sont deux sous-espaces affines de A et f une application affine de A vers A', alors si H1 est parallèle à H2, f de H1 est parallèle à f de H2. Bon alors, parallèle, ça peut être parallèle au sens strict ou au sens large. Au sens strict, si H1 est égal à H2, hein, alors bah, évidemment j'applique f, hein, ben, j'applique la partie linéaire de f, et donc j'obtiens que la direction de f de H1 est égale à la direction de f de H2. Donc ça, c'est parallèle au sens strict. Au sens large, ben, la même chose, sauf qu'à la place des égalités, ce sont des inclusions. Propriété, si f, g sont des applications affines de A vers A', alors l'ensemble des m, tel que f de m est égal à g de m, est vide, ou bien c'est un espace affine de direction, qu'air de la direction de f moins, enfin, la partie linéaire de f moins celle de g. Démonstration, si delta est différent de vide, je peux trouver un point A, tel que f de A égale g de A. M appartient à delta, alors delta c'est cet ensemble-là, ça équivaut à dire que f de A plus f plus, plus la partie linéaire de f appliquée en m est égal à f de A plus la partie linéaire de g appliquée en m, et donc ça équivaut à dire ça, d'accord? Donc m appartient à delta, ça équivaut à dire, je fais une soustraction entre vecteurs, ça, c'est-à-dire que m appartient à care de la partie linéaire de f moins la partie linéaire de g. Donc ça veut bien dire ça, que delta est un sous-espace affine, hein, de A, qui passe par A, parce que A est un point de cet espace, de ce sous-espace, et de direction care de f moins g. Et c'est gagné. Enfin, une petite dernière remarque, d'abord pour donner un exemple d'application affine extrêmement simple, et un exemple tel que l'on ait à la fois une image réciproque qui soit égale à vide, et puis là aussi cet ensemble qui soit égal à vide. Donc je prends une fonction constante de A vers A, A étant un espace affine, donc qui à M fait correspondre A, d'accord? Et elle est bien affine parce que F de M est égal à A plus phi de AM, où phi est l'application vectorielle nulle qui est au vecteur, un vecteur quelconque U de la direction de A, associe 0. C'est bien linéaire, ça. Donc, F, c'est bien une application affine dans la partie linéaire et l'application linéaire nulle. Eh bien, si A est différent de A, ce qui arrive, par exemple, si dimension de A est supérieure ou égale à 1, et si alors je prends B appartenant à A privé de A, bien, je remarque que F moins 1 de B. Alors B, on a déjà vu que c'est un point, je devrais mettre des accolades entre B, c'est un sous-espace affine de A. Hein. Eh bien, son image réciproque, évidemment, est égale à vide, hein, puisque B n'est l'image d'aucun point, puisque les images sont toutes égales à A. Eh bien, si je prends G qui a M associe B cette fois-ci, ben, il est clair que F à tout M associe A, G à tout M associe B, donc l'ensemble des M tels que F de M est égal à G de M, ben, est égal à vide. Évidemment, celle-là, c'est aussi une application affine, hein, comme pour F. Donc j'ai bien donné là deux exemples où on avait vide. Une remarque, si F est une application affine de A vers A', que A' est un point de l'espace affine grand A', et que F moins 1 de A' est différent du vide, alors F moins 1 de A' est un sous-espace affine de A de direction carré F. Alors A', c'est un point, hein, c'est un singleton, et un singleton, c'est un espace, c'est un sous-espace affine de A'. Donc F moins 1 de A' est vide, ou bien un sous-espace affine. Ça, on le sait.
Alors si je pose g qui a m appartenant à ceci a' appartenant à a', c'est une application affine, comme on l'a déjà vu. Dans la partie linéaire est l'application linéaire 0 de a vers a'. Eh bien, f moins 1 de a' apparaît clairement comme l'ensemble des points m, tel que f de m est égal à a', c'est-à-dire f de m égale g de m. Donc espace sous espace affine de direction quer de f moins g. Mais la partie linéaire de f moins la partie linéaire de g. Sauf que la partie linéaire de g, c'est 0. Donc ça fait bien la partie linéaire de f. Si A est un espace affine, hein, l'identité de A, qui est à M appartenant à A, ceci M appartenant à A, est affine, et sa partie linéaire, c'est l'identité de la direction de A. En effet, c'est évident, hein, si je prends un point A appartenant à A, il a pour image grand A, appartenant à A, et si je prends un point M, je vais avoir identité de A, identité de M, le vecteur, hein, qui va être égal à vecteur AM. Et vecteur AM, je peux dire que c'est l'identité sur la direction A appliquée au vecteur AM. Donc ça veut bien dire que l'identité de A a pour direction, est affine, et a pour direction l'identité sur l'espace vectoriel grand A. Si f est affine, hein, de A vers A, on appelle invariant de f l'ensemble des points m de A, tel que f de m est égal à m. Soit il est vide, soit c'est un espace affine de direction quer de, alors là je prends la partie linéaire de f, moins l'identité sur la direction de A. Démonstration. Ouais, là, je prends la fonction g égale identité de A. Donc, invariant de f, c'est l'ensemble des points m, tel que f de m égale g de m, puisque g de m, c'est toujours égal à m. Donc, si elle est différente de 8, c'est donc, d'après ce qu'on a démontré avant, un sous-espace affine de direction, quer de direction, partie linéaire de f moins celle de g. D'accord? Mais celle de g, g, c'est l'identité de A. C'est donc identité sur la direction de A. Et donc, la propriété est démontrée. Représentation analytique d'une application affine, hein, de A vers A', A' de dimension P et N, hein, avec un repère OB pour A, R' égale O'B' pour A'. Hein, donc, une base B de la direction de A, B' de la direction de A'. Hein, le point O a pour image grand A de coordonnées oméga 1 jusqu'à oméga n dans R'. Grand A va désigner aussi ce vecteur colonne qui lui appartient à K puissance n. K puissance... oui, c'est ça. Ensuite, M. Eh bien, M, il a... M, c'est un point de coordonnées x1 jusqu'à xp dans le repère grand R. Donc, je vais appeler x cette matrice colonne qui appartient à k puissance p. M', ça va être son image donc, dont les coordonnées sont x'1 jusqu'à x'n dans R'. Ça, je l'appelle x'. C'est une colonne de k puissance n. Eh bien, j'ai cette relation, puisqu'elle est affine, f de m égale f de 0, alors f de 0, ça va être a, plus la partie linéaire de f appliquée au vecteur OM. Alors, la partie linéaire de f, elle a une matrice A et J relativement on va à la base B de la direction de A et B' de la direction de B. D'accord ? Donc ça, c'est une matrice NP. Eh bien, si je prends le vecteur donc OM qui a pour... les coordonnées sont X, sont les mêmes que M, hein, parce que
O, il a comme coordonnées que des 0. Donc voilà ses coordonnées dans la base B. Et donc j'ai x', je traduis ça, x' égale A plus, et là les coordonnées de ça, bah, c'est mx. Et donc ça me donne quoi? Eh bien ça va me donner que pour i allant de 1 à n, x'i est égal à oméga i plus, et là j'applique, ça fait somme de aij xj pour j égale 1 à p. Voilà. Bon, réciproquement, si je me donne un repère de A, un repère de A', d'accord, et des relations comme ça, eh bien, je vais traduire ça par une relation de ce type qui me permettra d'avoir ça, d'accord, et avec une. Et donc, ça me permettra de dire que cette relation définit une application affine F dont la partie linéaire est définie par la matrice AIJ. C'est évident, j'insiste pas là-dessus. Donc matrice par rapport aux bases B et B'. Nous voyons maintenant la conservation du varicentre. C'est une grande propriété des fonctions affines. Si f est affine de A vers A', alors elle conserve le varicentre de n points quelconque de A. C'est-à-dire que conserver le varicentre de n points, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si g est varicentre des, alpha, des AI alpha I, alors f de g est varicentre des f de AI alpha I. Je rappelle que somme des alpha I doit être différente de 0. En particulier, f conserve le milieu. C'est-à-dire que si A, si I est le milieu de AB, ben I est le varicentre de AAB1. Donc f de i est le varicentre de f de a muni de 1, f de b 1, donc le milieu de f de a, f de b. Donc il y a juste ça à démontrer. Eh bien, définition du varicentre, on a cette relation, somme des alpha i, g de a i est égal à vecteur nul avec la somme des coefficients qui diffèrent de 0. F est affine, donc f de g, f de a i est égal à la partie linéaire de f appliquée à g de a i. Et donc ça, j'applique la partie linéaire à cette égalité. Donc ça fait ça égal f de 0, mais ça fait 0 puisque la partie linéaire est une application linéaire. Et donc ça, j'utilise la linéarité de f, et donc ça fait somme des alpha i, la partie linéaire de f appliquée à g de ai égale 0. Donc somme des alpha i, f de g, f de ai, vecteur f de g, f de ai égale 0. Et comme les sommes des alpha i est différente de 0, ça dit bien que f de g et varissant des f de ai avec le coefficient alpha i. Réciproque en quelque sorte, si i est le varissante, oui, donc ça on l'a démontré pour le milieu, donc pas de problème. Si f de a vers a' conserve tous les varissantes de deux points quelconques, alors f est affine. Conserver les barycentres de deux points quelconques, ça veut dire que si je prends deux points A et B, et G barycentre de A alpha 1, B alpha 2, alors F de G barycentre de F de A avec alpha 1, F de B avec alpha 2. Démonstration, je prends O appartenant à A, et je définis phi par qui au vecteur U de la direction de A associe le vecteur F de O, F de M, où M est égal à O plus U. Autrement dit, je me débrouille pour avoir f de m égale f de o plus phi de om, quel que soit m appartenant à A. Donc il me suffit de démontrer maintenant que phi est linéaire. Donc je prends d'abord u, un vecteur u de A, un scalaire lambda, et je vais démontrer que phi de lambda u est égal à lambda phi de u. Je pose m égale o plus u, p égale o plus lambda u, donc op est égal à lambda om, et là ça me fait op égale lambda pm moins po. Donc je développe, je fais tout passer du même côté, et j'obtiens ça. Et de ça, comme les sommes des deux coefficients est égale à 1 différent de 0, j'en déduis que P est le varicentre de M avec lambda, et de O avec 1 moins lambda. Donc, que F de P va être le varicentre de F de M avec lambda, F de O avec 1 moins lambda. Et donc, lambda F de P, F de M, plus 1 moins lambda f de p, f de o,
va me faire 0. Alors je fais la même chose que j'ai fait avant. Je m'échale ici, d'accord, lambda f de OF de M moins lambda f de OF de P plus 1 moins lambda fois ça est égal à 0. Je regroupe, d'accord, et j'obtiens facilement ça, c'est-à-dire phi de OP égale lambda phi de OM. Et comme OP c'est lambda U, ça fait phi de lambda U égale lambda phi de U. Voilà. Une partie de la démonstration est faite. Maintenant, je prends deux vecteurs U et V, A égale O plus U, V, B est égal à O plus V, et M est égal à O plus U plus V, c'est-à-dire vecteur OM égale vecteur OA plus vecteur B, et j'appelle I milieu de AB, comme ça j'ai OM qui est égal à 2OI. Alors justement, puisque OM est égal à 2OI, là j'utilise cette propriété-là, je vais avoir phi de OM égale phi de 2OI, c'est-à-dire 2 phi de OI. Donc phi de U plus V égale 2 phi de OI. Mais f de I, comme I est le milieu de AB, f de I est le barycentre de... Enfin, I est le barycentre de A1, B1, donc f de I est le barycentre de f de A1, f de B1, donc le milieu de f de A, f de B, et donc f de 0, f de I, propriété des milieux, hein, puisque f de I est le milieu de f de A, f de B, ben f de 0, f de I est égal à 1 demi de f0, f de A, plus f0, f de B. Et ça, ça me fait exactement phi de OI égale 1 demi de phi de OA plus phi de OB. Donc 1 demi de phi de U plus 1 demi de phi de V. Donc si je prends phi de U plus V, alors phi de U plus V est égal à 2 phi de OI. D'accord ? Et donc 2 phi de OI, ça va faire phi de OA plus phi de OB. Donc phi de U plus phi de V. Eh bien, ça y est, phi de U plus V égale phi de U plus phi de V. On avait démontré phi de lambda U égale lambda phi de U. Et donc, phi est linéaire. Et donc, puisque F de M est toujours égal à F de O plus phi de OM, on en déduit que F est affine et que sa partie linéaire est égale à phi.